Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de Noël? Alors moi, je vais essayer de ne pas être drôle. Hein. C'est pas sûr que j'y arrive. J'ai 7 ans, tu m'entends? Mais c'est une belle histoire. Le Père Noël, pour moi, ça commence à sentir un peu la merde, tu vois. Je commence à avoir un peu des vieux doutes. Et mon père, tu sais ce qu'il fait? Le matin, je descends et il dit, tu vois, je dis, mais t'es sûr que c'est le Père Noël qui a amené les cadeaux? Il dit, bien sûr. Il est arrivé en pleine nuit, il faisait tellement froid que papa lui a offert un petit verre de goutte. Il avait posé deux verres de goutte sur la table. Il dit, tu vois, ça, c'était mon verre et ça, c'est le verre du Père Noël. Je te jure, je suis passé toute la matinée. J'avais le verre du Père Noël. Il avait bu dedans, tu vois. Et du coup, avec ces conneries, je suis reparti pour un an. Jusqu'à 8 ans, j'ai cru dur comme fer. Je ne dis pas la déception après, tu vois. Sinon, pour les cadeaux, tu vas dans une grande surface, tu vas... tu donnes ta carte infinite, tu vois, et là, tu donnes ta carte et tu dis, voilà, je donne cette carte, ils te font un joli paquet cadeau avec une jolie carte dedans, et tu le donnes à celle que tu veux, et elle a un bon d'achat de 3000 balles, par exemple, ou 5000, ce que tu dis depuis 5 minutes. Je ne sais pas de qui il parle, je ne sais pas de quoi il parle. Mais j'adore. Bravo Jean-Marie, bravo. Jean-Marie. Béatrice, comment se souvenir? C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Hein? Si. Ouais. C'est l'anniversaire de Béatrice aujourd'hui. Est-ce que ton mari est parti en soirée ou t'as prévu quelque chose? Non, au moins qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite. Alors, il m'a emmené déjeuner dans un magnifique restaurant. Ah oui. C'était excellent et je le remercie. Et on fêtera samedi. Donc voilà. D'accord. Ah, ce soir rien? Non, ce soir rien. Alors, quand on dit on fêtera samedi, c'est que samedi, il n'y aura rien. Je connais très bien. L'anniversaire, il faut le fêter le jour même, sinon c'est mort. Ça fait des années que Fatou fait la même chose. Voilà. Non, mais c'est. Quoi? C'est compliqué de faire l'amour en semaine. En semaine, c'est vraiment compliqué de faire l'amour en semaine. Je pense que ce soir, ils vont faire un truc quand même. Non, je suis pas sûr. C'est compliqué, non? Mais que la lourdeur! Non, pardon, ma question gêne. Bonjour, mes amours, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Non, mais oui, mais c'est. Bah, alors, je parlais pour moi. Oui. Demander dans l'oreille. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est même quand on est très émotif. C'est vrai que la semaine, on est fatigué, on se lève tôt le matin, on est crevé et tout ça. Et même quand on s'aime, c'est compliqué quand même la semaine, même si c'est un soir d'anniversaire, d'être comment. Bah, on a compris, c'est bon. Non, mais voilà. Mais, moi, j'ai pas compris. Non, mais c'était là. Apparemment, Daniel n'a que des jours de la semaine. Tu sais, souvent les gens regardent la télé, ils se disent bah oui, mais Daniel n'a pas de week-end. Tout ça. Peut-être que les gens connus, ils font non, bah on fait pas plus, on est comme vous, on est comme les gens chez eux. C'est compliqué la semaine. C'est peut-être compliqué pour toi aussi la semaine. Pardon, mais en tout cas, voilà. Voilà, moi, c'est voilà. Pas compliqué. Bon anniversaire. Merci. Mais c'est compliqué pour vous la semaine. Elle pourra avoir un petit cadeau, non, peut-être ce soir de votre part. Je sais pas, ou de la part de la prod. Est-ce que vous aviez prévu un cadeau? Et ça, c'est pour toi, elle te le met pas n'importe où. Non. Merci. C'est compliqué la semaine. Meilleur van. C'est compliqué la semaine. Non, c'est vrai que c'est compliqué la semaine. Allez, les chéris, on avait un gros clash dans les grandes gueules sur RMC avec plein de grosses punchlines.